Messieurs, bonsoir. Habituellement, au tout début de mon émission, à la rentrée, à l'automne, je reçois mes chroniqueurs. Et la semaine dernière, c'était pas ça. Vous avez vu, j'ai reçu M. Raymond qui est venu nous parler du film qui a été présenté samedi dernier. C'est justement pour des contraintes de temps. On a tout simplement décalé d'une semaine l'arrivée de mes collaborateurs, mes collaboratrices qui, au cours de la saison, vont venir nous parler de différents sujets d'actualité, des sujets qui vont vous intéresser, j'en doute pas. Je vous les présente à partir de ma gauche immédiate. Une nouvelle venue, une amie de Disraeli, Julie Deslauriers, qui est la coordonnatrice culturelle de la ville de Disraeli. Alors, bienvenue, Julie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Une autre petite nouvelle également à ses côtés, Katia Gaumont. Katia est coordonnatrice par intérim du Sentier des Trois-Monts à Coleraine, tout simplement parce qu'elle remplace actuellement Manon, qui est maman depuis le mi-juin, je pense. Hein? C'est bien ça? Alors, c'est toi qui es la coordonnatrice du Sentier des Trois-Monts, donc on va parler de ce qu'il va y avoir à l'automne. Il y a toujours des activités à l'automne. Tu m'as même dit avant le début de l'émission qu'il y avait des nouveautés aussi qui s'en viennent. Donc là, les années passées, quand je vous présentais Manon des Trois-Monts, maintenant, ça va être Gaumont des Trois-Monts. Alors, Katia, bienvenue. Merci. L'autre, je ne sais pas si j'ai besoin de vous la présenter, cette jeune femme-là. Vous la connaissez. Elle représente Catara, Karine Suarez. Bonjour, Karine. Catara, rappelle-moi qu'est-ce que ça veut dire. À un moment donné, tu vas l'apprendre. Hein? Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentées de la région des Appalaches. Bon. Mais là, tu portes deux chapeaux cette année. Cette année, oui. Alors, là, il y a toi qui vas venir parler de Catara. Et Nancy. Et Nancy La Liberté qui va venir. Mais tu as un autre chapeau aussi cette année. Oui. Bien, c'est. J'en avais discuté l'année dernière avec Stéphanie Gamache, qui, je crois, est chroniqueuse encore cette année. Malheureusement, elle ne pouvait pas être à l'émission aujourd'hui. Alors, nous, on s'en est parlé comme ça, puis j'ai décidé de le faire cette année. On va parler. Moi, je vais vous parler de la philosophie zéro déchet. Alors, comment diminuer son empreinte terrestre? Alors, on va y revenir. Oui. Garde ça comme ça, là, pour l'instant. Zéro déchet, ça finit. Voilà. Je te demanderai qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure, malgré que déjà zéro déchet, je dois commencer à m'en douter un peu. Julie, elle a sans doute. Et le dernier, non le moindre, mon chroniqueur politique, Vincent Blais. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Pierre. On est à la mi-septembre. On s'en va vers des élections aux États-Unis. C'est extraordinairement intéressant. Donc, j'espère que tu vas pouvoir venir m'en parler assez récemment, là, assez prochainement. Avec plaisir. Bon. Alors, on va y revenir. Donc, je reviens à Julie. Alors, la coordonnatrice culturelle de la ville de Disraeli. Tu vas venir nous parler des activités culturelles qui se déroulent dans le secteur sud. Oui. Particulièrement Disraeli, qui est le chef-lieu du secteur sud. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités aussi autour de Disraeli. Moi, je travaille pour la ville, mais j'ai aussi comme mandat quand même de, tu sais, dans mes fonctions, là, de faire du réseautage, d'essayer de diffuser l'information aussi pour plus le secteur sud, puis même certaines municipalités environnantes, comme mettons Stratford, qui n'est pas dans le secteur sud, mais qui... et qui fait partie, exemple, de certaines activités où on peut diffuser des informations. Et alors, qu'est-ce que tu vas nous parler cette année particulièrement? Je sais qu'il y a un comité, il existe encore le comité culturel à Disraeli qui était très dynamique? Oui, ça fait plus de 40 ans qu'il existe. Oui. Moi, je travaille avec eux. Je travaille, dans le fond, le plus possible avec les organismes. Il y a beaucoup d'organismes culturels à Disraeli. Fait que moi, dans le fond, j'essaie d'épauler le plus possible ces organismes-là, donner un coup de main, essayer de diffuser le plus possible l'information, bonifier, faire en sorte de faire rayonner tout ça. Mais, tu sais, c'est ça, là. Si je suis en poste, moi, c'est parce qu'il y a des organismes bénévoles qui sont là depuis plusieurs années, là. Avec le comité culturel, ça fait plus de 40 ans qu'il existe. Oui. Il y a plein d'artistes qui sont passés au comité culturel, là. C'est des spectacles professionnels, exemple. Il y a des années, il y avait Jean Leloup qui était là, Alex Nevsky. Souvent, c'est des artistes émergents. Puis là, on les voit pousser un peu plus tard, mais le comité culturel, souvent, les a accueillis. Là,
Oui, et depuis quelques années, à Disraeli, maintenant, vous avez une infrastructure, là. Vous avez un cabaret, c'est le cabaret des arts. Ton bureau est là, je pense. Mon bureau est là. Fait qu'il y a une salle, c'est multidisciplinaire, là. Il y a des activités aussi l'été, avec les jeudis en spectacle, quand le temps n'est pas propice à l'extérieur, on fait ça en dedans. Il y a l'exposition d'art visuel. Là, ce qui s'en vient, c'est les Journées de la culture. Au début d'octobre cette année, hein? C'est ça. Dans le fond, c'est une activité qui est présentée. C'est tout gratuit, là, les Journées de la culture. Parce que là, ça s'en vient, là. Les Journées de la culture, c'est le 30 septembre, 1-2 octobre. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Et à Disraeli, ça bouge aux Journées de la culture. Je suis à même de le dire, hein, parce que j'ai été faire des lectures pour des contes pour enfants quelques années là, à Disraeli. Et il y a beaucoup d'activités et beaucoup de participants. Bien là, à un moment donné, ça s'est essoufflé un petit peu. Il y avait beaucoup, beaucoup d'activités. Puis là, les gens, je pense qu'ils regardaient le dépliant, puis ils ne savaient plus trop où donner de la tête. Il y en avait un petit peu trop. Là, on a comme focusé sur... on en a 6 cette année. Mais c'est quand même 6 activités que je suis certaine qui vont fonctionner. Et ça se déroule au Cabaret des Arts et j'imagine au Parc de la Gare, là? Est-ce que c'est pas mal centré? Cette année, c'est pas mal concentré sur la rue Laurier. La rue Laurier va être barrée quand tu vas voir le spectacle extérieur aussi. Puis la galerie de Jacinthe Bourgault, où est-ce qu'elle va donner... c'est une artiste professionnelle en art visuel. Elle va donner des ateliers gratuitement aussi, là. Il faut s'inscrire. Mais c'est gratuit aussi, le peindre à la spatule. Donc, tout est fourni, là. L'idée, c'est ça, là, les Journées de la culture, c'est de donner la chance aux gens de toucher à toutes sortes de disciplines, à tout ce qui est culturel. Puis des fois, on n'est pas... C'est un éveil. Bien, c'est un éveil, puis c'est aussi l'opportunité d'avoir accès gratuitement. C'est pas toujours... Des fois, on est, tu sais, 10-15 heures, je suis pas sûre. Même si des fois, c'est pas des gros coups, mais là, on prend le bain, là, puis on donne le goût comme ça aussi, là, tu sais. Donc, on répète, c'est www.villedisraeli.ca. Et là, toute la programmation est là. Pour les Journées de la culture, puis ceux qui seraient intéressés On va y revenir, hein? Je vais te réinviter, Julie, là. C'est vrai. Tu as juste commencé. OK, c'est bon. Pas trop gentil. Garde-toi-en, là. On va passer à Katia. Katia, tu me disais avant l'émission, oui, on a beaucoup d'activités prévues à l'automne et puis on a même des nouveautés. Allons-y avec ce qui est déjà prévu, là. J'imagine, est-ce que vous avez encore là, la corvée qui va venir? Tu vas venir nous en parler, mais... Oui, la corvée, ça va se dérouler le 22 octobre, donc juste Tu le sais déjà en plus, 22 octobre, OK. Oui, 22 octobre, donc juste la fin de semaine, avant la fin de semaine de l'Halloween. Puis, on a encore le parcours de l'épouvante à l'Halloween, donc c'est le 27, 28 et 29 octobre cette année qui va être le thème, là, c'est araignées et chauves-souris. Donc, une petite nouveauté, on intègre les araignées. Et puis, donc ça, c'est ce qui est déjà en place. Puis, en fait, c'est qu'on cherche des bénévoles pour ces deux activités-là. Donc, c'est vraiment très important, là. Les bénévoles, en fait, pour l'Halloween, c'est surtout de faire la figuration. Donc, pour faire peur au monde, si on veut que les gens aient peur, bien, ça nous prend des bénévoles. OK. Alors, c'est dans le 418-423... 3351. 3351. 3351 dans le 423. Oui, okay. C'est ça. Rappelons que le sentier pédestre, pour ceux qui l'ignoraient, est à Coleraine. Oui. Et maintenant qu'on a une belle route 112, là, on passe en avant du sentier pédestre. Là. Effectivement. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme nouveauté? Donc, on a lancé un concours photo qui est ouvert à tous les photographes amateurs. Puis, c'est en fait des photos qui doivent être prises dans nos sentiers. Puis, c'est des photos aussi qui doivent avoir été prises du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Donc, ils ont jusqu'au 4 janvier 2017 pour nous soumettre leurs photos. Puis, tous les règlements du concours sont sur notre site Internet. Ah, bon, ben alors, profitons-en. Alors, www.3mont.ca. Mais de toute façon, Luc va se faire un plaisir de le mettre là, au fur et à mesure qu'on dit, mais c'est www.3mont.ca, c'est ça? C'est ça, oui. Puis, on va avoir un événement sportif, donc ça va s'appeler Mon défi, Mont, M-O-N-T-S.
C'est de monter trois montagnes dans la région. Donc, il va y avoir le mont Adstock, Grand Morne et le mont Caribou, qui est notre plus haut sommet aux trois monts. Puis, donc, ça va se dérouler le 1er octobre et le 2 octobre. Il faut faire les sommets en 9 heures. Puis, c'est ça. En fait, il va y avoir plusieurs forfaits disponibles là, selon si c'est compétitif ou seulement participation, puis aussi un forfait famille. OK. Et là, s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, ils peuvent aller soit sur le site oui, ou téléphoner? Oui, vous pouvez, en fait, aller sur notre site Internet. Nous, on va mettre tous les détails là, qui concernent l'inscription. Puis justement, c'est une inscription obligatoire en ligne là, avant l'événement. C'est sûr qu'on va aussi accepter les inscriptions sur place, mais pour bien planifier l'événement, c'est sûr que ça serait préférable là, de s'inscrire en ligne avant. OK. Alors, parce que là, on est dans la semaine du 19 septembre, et tu dis que ça a lieu le 1er et le 2 octobre. Oui. C'est dans deux semaines, ça va à peu près, là? Oui. Donc, on répète, les gens qui seraient intéressés par mon défi, qui est d'escalader trois montagnes de la région, ils ont juste à aller sur votre site www.3mont.ca. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi ou comme faut pas... Non. Mais là, tu vas venir nous les expliquer là, en cours de saison. Là, c'est ça. Puis aussi, juste rappeler les conférences du Club d'astronomie qui sont recommencées. Donc, à chaque... le premier vendredi du mois à 7 heures. Bien, quand tu parles d'astronomie, justement, le président du Sentier pédestre des Trois-Monts, qui est également président du club d'astronomie, là, Gaétan Laflamme, ben, il fait partie de l'équipe de chroniqueurs, mais qui ne pouvait pas être ici présent lors de l'enregistrement. Mais tu représentes très bien Gaétan. Alors, Karine, allons-y avec Catara. C'est quoi qu'on va parler cette année? Alors, tu m'as dit que ça s'appelait comité d'aide au... comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Bien oui, c'est vrai. Je devrais m'en souvenir. Oui, mais Catara. Alors, cette année, bien, on a des thèmes encore qu'on souhaite aborder, notamment les cancers professionnels. On n'a pas eu la chance d'en parler l'année dernière, c'était prévu, mais on a eu des sujets d'actualité. Donc, on va probablement commencer par ça en début d'année, la reconnaissance d'une maladie professionnelle. Mais cette année, ce qu'on a comme thème qui est nouveau, c'est le harcèlement psychologique et la violence au travail, qui est un phénomène en pleine explosion, qui est très inquiétant. Et malheureusement, les recours des victimes sont assez limités, donc on va en parler. Bien sûr, on parle des jeunes. On aura une campagne de ruban en avril et on est à l'affût de l'actualité aussi. Alors, on a encore bien des choses à discuter. OK. Ça, c'est Catara. C'est Catara. Maintenant, reviens-moi sur ta philosophie du zéro déchet. Bon, la philosophie zéro déchet, en fait, c'est ni plus ni moins que de tenter de diminuer notre empreinte sur la Terre. Donc, zéro déchet, diminuer les déchets, oui. Nous, on a commencé, ça prend quand même une certaine préparation avant de faire ça, mais la famille chez nous, on a commencé à la fin de l'année scolaire et déjà, on a diminué notre quantité de déchets par semaine de moitié. Oh! Oh, oui. Alors, on a été assez surpris de voir la quantité de détritus de toutes sortes qu'on jette à la poubelle à chaque semaine. Et ça a impliqué aussi des changements de vie, mais on a commencé par la fabrication des produits aussi ménagers. On va en faire ensemble, Pierre. On va en faire ensemble, oui. Bon, alors comme quoi, là? Le savon à linge, le savon à linge, le savon à vaisselle, le savon à la vaisselle, l'assouplisseur de tissu, déodorant, baume à lèvres. Shampoing et tout ça. Donc, on récupère les pots. Le problème qu'on a ici, malheureusement, nous autres, on a réalisé les limites un petit peu en région de la philosophie, c'est qu'on n'a pas accès à des commerces qui vendent en gros. Donc, on a une limite élimination de déchets. Des... Oui, mais c'est une philosophie qui est très en vogue en Europe et où il y a des familles qui réussissent même à diminuer leur consommation de déchets jusqu'à peut-être un bocal de pot maçon par année. Par année? Par année, oui.
Oh, là, on n'est pas là encore. Hein? Non. Et à Thetford, là, la ville de Thetford, les autorités municipales sont en train d'étudier la possibilité de nous donner le bac brun là, pour... Le compostage. Le compostage, là. Donc, ça viendrait aider, ça? Bien, moi, je suis chanceuse, là. J'habite en campagne. Donc, oui, il y a une grande partie des déchets naturels qu'on peut éliminer, là. Mais tout ça, tu sais, je veux dire, je veux peut-être plus l'aborder du côté de la fabrication des produits ménagers parce que chaque fois qu'on achète un pot de Windex, hein, on le jette, on le remplace. Moi, ça fait longtemps que j'ai le mien, là. Tu sais, puis je rajoute mon petit mélange dedans, puis voilà. Mais quand tu parles d'empreinte écologique, là, pour moi, c'est pas nouveau, parce que j'ai eu une Françoise Blanchette, qui a été ma chroniqueur pendant plusieurs années, et qui faisait, justement, qui me faisait passer toutes sortes de tests pour voir si j'étais, si je correspondais, ou si j'étais attentif à ça, à l'empreinte écologique. Mais elle est arrivée ici avec toutes sortes d'objets, qui disait à un moment donné, ben voici qu'est-ce qu'on peut récupérer. Moi, je me souviens, là, elle avait fait un tableau où on épingle des choses. Puis tout le tableau était fait avec des bouchons de liège, des bouchons de vin, ou encore avec son fameux sac pour aller à l'épicerie, qui était fait avec un sac de plastique d'épicerie, qu'elle avait tout tricoté et c'était d'une solidité. Bon, disons que ça payait peut-être pas de mine, là, c'était peut-être pas le plus beau sac, mais aujourd'hui, qui va faire son épicerie sans ses propres sacs? C'est beaucoup. De plus en plus rare. Non, mais il y en a encore beaucoup. Oui, malheureusement, mais c'est de plus en plus rare. On s'est habitué. Moi, là, j'ai une quinzaine de sacs, là, puis je rentre ça, puis... Il y en a qui prennent ça aussi pour les sacs de poubelle, mais tu sais, idéalement, ça serait que les sacs... De poubelle soit compostable au moins. Mais ça, c'est pas toujours accessible, là, je trouve, dans les. Tu sais, mettons, tu cherches des sacs de poubelle là, dans la vie. Là. Oui. Tu vas à l'épicerie, c'est pas partout là, qu'on trouve ça. Là. Mais en tout cas, non. Puis c'est généralement le double du prix. Voilà. Aussi, mais tu sais, je veux dire, l'idée aussi, c'est que c'était que ça nous coûte moins cher, nous aussi, là. Et chez nous. Okay. Donc, il y a vraiment cette... Mais ce n'est pas une question d'économie, là. C'est une question de protéger l'empreinte écologique. Oui, parce que, écoute, on a un puits chez nous, puis on a une fosse septique. L'eau, les produits chimiques, c'était des inquiétudes qu'on avait. Puis on en utilise énormément. Puis ensuite, ça fait partie de notre empreinte écologique, les produits chimiques qu'on laisse aller dans notre environnement, mais aussi les déchets. On va faire des recettes parce que je sais que tu aimes cuisiner. Tu as toujours des magnifiques tabliers, d'ailleurs. C'est des seuls moments. Non, quand je fais la vaisselle aussi, je suis un spécialiste de la vaisselle. Parce qu'elle rit de moi, là, elle se moque de moi parce qu'elle sait que je ne fais pas à manger. Mais ma femme a sali la vaisselle, moi, je la lave. Donc, Vincent. Oui, bien. Passons aux choses sérieuses. Oui. Les élections présidentielles aux États-Unis, c'est quelle date au mois de novembre? C'est le 8 novembre. Le 8 novembre. C'est ça. Donc, c'est là où on va voir qui de Donald Trump ou Hillary Clinton l'emportera et deviendra président, 45e président des États-Unis. Toi, là, qui suis ça attentivement depuis nombre d'années, ça fait combien d'années que tu es chroniqueur aussi? Plus que 10 ans. Ah oui, ça fait 10 ans, hein? Ouais, ouais. As-tu déjà vu, toi, deux candidats à la présidentielle aussi impopulaires? L'un que l'autre, là? À ce niveau-là, non. Le dernier en liste, c'était en 92 avec George W. Bush. Pas en 92, pardon. C'était en 2000 avec Bush. Mais autrement, là, les deux battent des records de popularité. Autant Clinton à 56 % puis Donald Trump à 63 %. Donc vraiment, on a rarement vu ça. On a rarement vu. On a l'impression que les gens... Pas juste l'impression, mais les gens votent pour le moins pire des deux candidats. Celui qu'ils aiment le moins haïr, là, ça peut dire. Mais c'est vraiment ça. Il y a vraiment un rejet de la classe politique. Puis on a une élection qui est imprévisible vraiment à ce niveau-là. Là. On pouvait pas. Il n'y avait pas personne qui aurait pu parier que Donald Trump allait se rendre là. Puis même Hillary Clinton, là, c'était pas évident non plus à un moment donné. Il était talonné par Sanders. Là. Ah oui, pas... M. Sanders, il l'a chauffé. Il l'a poussé à gauche. OK. Vraiment, là, il l'a obligé à prendre des politiques plus, plus social-démocrates, les mesures pour les pauvres, la hausse, entre autres, comme on parle au Québec, du salaire minimum aux États-Unis, la question se pose également. OK.
Donc, oui, il l'a forcé à revoir certaines de ses positions. Mais vraiment, là, les gens, je pense, beaucoup d'Américains vont aller aux élections en se pinçant le nez. Vraiment, là. Puis plusieurs, il faut s'attendre que le taux d'absentéisme soit assez fort. Là. Ouais. Ça peut être trompeur, hein, parce que c'est toujours la question comment ça va tourner. Parce que si, admettons, on prévoit que Mme Clinton l'emporte, parce que présentement, c'est ce que disent les sondages, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Chambre de représentants, puis au niveau du Sénat? C'est ça qu'on ne sait pas. Okay? Puis c'est là où est le pouvoir également. Okay? Parce que, donc, si elle qui est démocrate se retrouve avec des républicains majoritaires, ça va être des confrontations continuelles. Comme on a vécu au cours des 8 dernières années avec Obama. C'est ça, oui. À partir de la deuxième élection, les 6 dernières années qu'il a connues, vraiment, c'était constamment ça. Il n'y avait plus le contrôle sur la Chambre. Donc, ouais. on peut s'attendre à ça. Et M. Trump, là, moi, j'en ris, là, mais je ne suis pas, un États-Unien. Mais c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, hein, comme on dit. Oui, c'est ça, justement. On en rit pour pas en pleurer. C'est effrayant, les énormités qu'il dit. Comment expliquer le fait qu'il soit suivi par tant de monde? Ben, il y a à peu près quoi? Il y a un groupe, là, toujours le même, là, homogène. C'est des hommes blancs, OK, dans la quarantaine, cinquantaine. C'est le noyau dur, OK. Puis pourquoi c'est comme ça? C'est que, comme je mentionnais, il y a un rejet des élites. Avant, là, pour expliquer aux gens, avant, il y avait différents candidats qui se présentaient, mais c'est toujours des candidats qui étaient, qui s'inscrivaient dans la ligne du parti, qui faisaient partie de l'establishment, des dynasties souvent, qui présentaient des candidats année après année. Bon, et à la fin, bon, que ce soit le candidat A, B ou C, on savait qu'il allait défendre la position du parti, qu'elle allait être prévisible. Puis tout ce qu'on espérait, c'est que le candidat de l'autre parti soit pas plus fort que le nôtre. Bon, c'est tout. Mais on s'en allait comme ça, c'était prévisible. Maintenant, on a beaucoup d'imprévus avec M. Trump. Jamais personne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, il y a quand même défait 16 autres candidats, là, OK? 16 autres candidats. Il a profité de la faiblesse des autres candidats, de la division aussi des autres candidats, pour en arriver où il est présentement, et toujours tablé sur les mêmes positions. Donc, les gens, bon, par exemple, dans certains États comme le Michigan, l'Indiana, l'Illinois, où on fabrique nos automobiles, les automobiles américaines sont fabriquées là, ces gens-là souffrent du libre-échange, perdent des emplois. Donc, lui, il promet, il dit, on va fermer les frontières, le libre-échange, on recommence à zéro. Les Mexicains arrivent, ils veulent nos jobs, on va construire un mur. Donc, c'est des solutions très simplistes à des problèmes très complexes. OK? C'est comme ça qu'il réussit à se maintenir, OK? Il promet chaque chose et son contraire, tant son temps que ça paye. Et il essaie d'élargir sa base pour avoir une chance de l'emporter, mais c'est là où ça bloque, OK? C'est là où ça bloque. Parce qu'il y a une limite, là. T'sais, son bastion, là, il peut pas aller du côté des Noirs, vous ne rien savoir. Il peut pas aller du côté des Latinos. Les Latinos non plus. Avec ce qu'il dit sur les Mexicains, ça serait difficile. Hein? Parce que c'est très populiste, là, ça... c'est politique, là. C'est démagogique. C'est vraiment... Ça vole pas haut, hein? Ah non. Non. Mais pour certains, c'est vraiment, là, c'est... Il faut défendre la sécurité du pays. Construisons un mur, on va régler le problème. Mais il y a aussi le principe de l'échelle. C'est que construire un mur de 15 mètres de haut, on construira une échelle de 16 mètres de haut pour passer par-dessus. OK? Donc, c'est ça, à un moment donné, ça réglera pas le problème, là. Puis... Ben, oui. Il vient d'en trouver un, mais, oui, un tunnel, à la fin du mois d'août, un tunnel, là, un tunnel. Mais c'est sûr qu'il y en a encore qui vont dire, on va construire un mur tellement profond qu'on va bloquer. Mais ce que les gens oublient, c'est que c'est fini le temps, ce qu'ils appelaient les wetbacks, là. Les gens qui traversaient le Rio Grande à la nage. Là, maintenant, les immigrants illégaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent un visa comme touriste. Donc, ils arrivent aux États-Unis comme touristes en disant, je m'en viens visiter la Floride, voir la parenté. Puis ensuite, ils ne reprennent jamais l'avion, OK? Ils attendent que leur visa deviennent complètement échus, puis ils disparaissent en nature, OK? C'est comme ça maintenant que bien les immigrants rentrent. Tu peux pas les empêcher. Tu pourras pas. Là. Mur ou pas. C'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'on va parler un peu de la France cette année? Oui, mais... Parce que les élections, eux autres, c'est dans 2 ans? Non. Non, c'est dans 18 mois. Il y a deux... Parce que les Français votent en 2 cours, OK? C'est toujours... Il y a 2 tours. Le 23 avril 2017 et le 7 mai. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même... En France, il y a plusieurs partis. Bon, peut-être certains noms qui vont rappeler des choses aux gens ici. Bon, François Hollande, l'actuel président du Parti socialiste. Nicolas Sarkozy, qui était déjà président, qui veut se représenter, mais lui, c'est pas encore fait parce qu'il affronte d'autres candidats dans son parti.
Marine Le Pen du Front National, qui voulait venir, qui est venue faire son tour ici, puis bon, c'est, elle a pas eu très bon accueil. Toujours est-il que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des primaires qui doivent se faire dans ces partis-là pour savoir lequel des candidats va se présenter aux élections. Okay? Parce que même le président Hollande, il n'y a rien qui nous assure qu'il va réussir. Oh oui, parce qu'il est contesté à l'intérieur même de son parti. Et quand on arrive à l'élection du 23 avril, donc chaque parti va présenter un candidat. Et après ça, quand on va faire le dépouillement des votes, c'est les deux candidats qui ont obtenu le plus de votes qui vont s'affronter au deuxième tour 2 semaines plus tard, le 7 mai. Et là, bien entendu, c'est celui qui va avoir la majorité qui va devenir président. Okay. Eh bien, merci beaucoup. C'est bizarre. Comme vous pouvez voir, chers téléspectateurs, la saison s'annonce prometteur. Et je vous rappelle qu'il y a 2 autres personnes qui vont se greffer à mes 4 ici, soit Gaétan Laflamme, qui va venir nous parler d'astronomie, et il y a également Stéphanie Gamache, qui va venir nous parler des lundis sans viande. Et j'avais le plaisir d'avoir à mes côtés Julie Delaurier, Katia Gaumont, Karen Suarez et Vincent Blais. Et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.